BaladoWeb, une voix pour être écoutée. Sur la page d'accueil de la plateforme BaladoWeb, vous avez accès aux balados géolocalisés produits par les élèves. Pour en faire l'écoute, il suffit de sélectionner le balado souhaité en utilisant la carte ou encore en y accédant par le menu de droite. Au bas de la carte, vous trouverez également les derniers balados publiés sur le site. Chaque balado contient une courte description, le prénom des auteurs uniquement et un lien avec les domaines généraux de formation. Une fois le balado publié, un code QR est généré automatiquement et est lié au fichier balado. C'est une belle façon de rendre disponibles les productions des élèves en les partageant. Toujours dans le menu de droite, vous trouverez différents contenus pédago-numériques, comme des auto-formations, des propositions technologiques, des pistes disciplinaires, ou encore des SAE, principalement pour le français langue d'enseignement. Pour déposer un balado sur le site, l'enseignant doit d'abord se créer un compte. Une fois son compte activé, il recevra un code qui sera associé à son espace privé. L'élève devra obligatoirement utiliser ce code, ainsi que le nom du groupe que l'enseignant aura préalablement créé pour déposer son balado. Une fois prouvé, celui-ci se retrouvera géolocalisé sur la carte. Pour toute question, vous pouvez utiliser le formulaire sur le site pour nous joindre. Bonne découverte!